C'est Khotbi. Aujourd'hui, vous êtes heureux, j'espère. Je suis vraiment heureux. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on ouvre un musée. C'est-à-dire, quand vous ouvrez un musée, vous ouvrez la lumière aux gens, vous donnez de la lumière, vous donnez un espace où les gens vont venir se cultiver. C'est très important. Mais ce que je voudrais simplement aussi vous indiquer, pour moi, qui est essentiel, c'est que ça se situe selon le vœu de Sa Majesté. Parce que Sa Majesté qui a... Nous appliquons que les instructions de Sa Majesté. Un musée à proximité d'un quartier populaire, c'est-à-dire que la culture va vers les gens. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que les gens ne vont pas simplement vers la culture. La culture vient vers eux, elle est à leur portée. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est de voir que n'importe quel Marocain maintenant pourra venir visiter un musée à proximité. Et c'est essentiel. Et sachez que tous les gens qui habitent à côté auront la gratuité pour venir au musée. Et c'est un espace qui est très beau, qui est plein d'histoire. Musée. ديال الصمرة واليوم انت تقوم بهذه التجربة على رأس هذا المتحف. اوكي هذه التجربة بالنسبة لي هي واحد التجربة اللي كان ديال لا ليزون ما بين الجينيراسيون اللي طالعة والجينيراسيون ديالنا باش تكون الموتيفاسيون بيناتهم وتموتيفي لي جون وتعطي الانرجي للجينيراسيون اللي خدامين. وكيبان لي ان لو فيت انك تجمع 15 فوتوغراف اكسبوزي و17 فوتوغراف جون في البروجيكسيون سي لحظه تاريخيه في العهد ديال الصوره في المغرب اللي بالنسبه لي غتموتيفي بزاف ديال لي جون باش يديروا لا فوتوغرافي. كلمه حول التجربه في المغرب ديال الصوره لا كاليتي ديالها. نقدر نقول لك انا كاين بزاف ديال الفوتوغراف في المغرب واعرين قدام داود ولد السياد ودوتر فوتوغراف. نقدر نقول لك ان كانت واحد اللحظه في الثمانينات كانوا دي فوتوغراف واعرين العهد ديال الارجنتيك ولكن ملي مشات الارجنتيك تقطعات معاه لا ليزون ما بين هذيك الجينيراسيون ديال الارجنتيك والجينيراسيون ديال النيميريك فهمتي. هذاك الشيء علاش حنا محتاجين شي حاجه بحال هكايا باش نعاودو نحيو هذوك القدام. حنا بدينا بلي جون دابا ولكن بالنسبه ليا هذا المتحف حتى هو خصو يكون محلول حتى للناس القدام اللي داروا دي فوتو قدام في السبعينات ولا في الستينات حتى هما اكسبوزيو هنا. وعلاش لا حتى المصورين ديال الدرب شي واحد اللي في الدرب كيعرف مصورين قدام يجمع عندهم التصاور ويجيبوهم يديرهم اون اوماج هنا في المستقبل. فوالا تكلمتي قبيله على ان في المغرب كاين واحد التجربه هي ديال الصوره سمارت فون. وا تكلمنا عليها. في هذا المعرض هذا بالضبط بديت بجوج ديال الفوتوغراف من جينيراسيون صغار من لي جون بجوجهم كيصوروا بالتليفون. علاش بديت بهم هما الاولين في الاكسبو؟ حقاش حنا كنعيشوا في واحد العهد ديال التكنولوجيا اللي كل واحد عنده التليفون ديالو ولكن حنا بالتليفونات ديالنا كنصوروا غير شي حاجات اللي هما عاديين كنصوروا لي سيلفي باش نعقلوا على شي حاجه ولكن ما كنستعملوش التليفون ديالنا باش ناخذوا واحد البعد فكري اخر وبعد مرئي اخر. Donc moi ma carrière photographique ça a commencé aux Beaux-Arts. Je suis lauréat de l'école des Beaux-Arts. Juste après j'ai travaillé comme photojournaliste pendant un bon bout de temps et à un moment donné c'était je pense que c'était pas un choix mais une obligation de switcher vers ou de travailler en parallèle en photo documentaire. Donc le mix entre une photo esthétique, ce que j'ai étudié aux Beaux-Arts, et après une photographe, une image qui raconte une histoire, qui a un message, et c'est le photojournalisme. Donc mixer entre les deux ça donne principalement des photos esthétiques avec un message, c'est la photo documentaire. Et il fallait vraiment documenter ça. Et une démarche qui, suite à la démarche sur laquelle je travaille depuis un bon bout de temps, c'est de documenter l'abandon, documenter la mémoire. Et le choix ne pouvait pas être fait sans travailler sur les mêmes, un espace que j'ai fréquenté depuis mon tout jeune âge. Parlez-nous de ce fort, le lieu du premier musée de la photographie. Bah, le fort, c'est un monument historique qui remonte au 19e, fin 19e, à l'époque de Moulay El Hassan. Il a été construit à l'époque de Moulay El Hassan, 1888, et il va construire pendant une période de 12 ans.
les travaux de construction, construit par des Allemands qui ont fait don de six canons au Maroc à l'époque, au moment où cette région a été convoitée par les forces coloniales fin 19e et début du 20e. Moulay Hassan Ier va construire ce fort militaire dans une zone stratégique pour pouvoir bien évidemment sécuriser cette partie du Maroc. On est dans une zone qui n'est pas loin de la ville d'Izoudaïa. On est à 800 mètres à vol d'oiseau d'Izoudaïa, à mi-chemin entre les deux murailles. Donc c'est l'intérêt de la position de ce fort. Le fort a été réhabilité grâce aux efforts louables à la fois de la wilaya de Rabat et du ministère de la Culture, mais essentiellement à Rabat Région Aménagement, la société Rabat Région Aménagement. Ils ont fait des travaux de qualité, de restauration et de réhabilitation de ce lieu. La fondation a entamé des travaux de réhabilitation pour rendre l'espace capable de présenter des expositions au public.